choqué par les propos de Noël Le Grec sur Zidane. C'est surréaliste. Oh, est-ce que tu crois que l'équipe de France en serait là sans Zinedine Zidane? Est-ce que tu crois que l'équipe de France aurait cette envergure mondiale sans Zinedine Zidane? Eh, Noël Le Grec, la France était championne du monde avant toi. Zidane a ramené la Coupe du Monde à la France sans toi. D'accord, t'es en train de virer un dictateur, c'est la vérité. On apprend que t'as jamais contacté Zidane, hein, le meilleur joueur français de tous les temps, sûrement un des meilleurs entraîneurs français de tous les temps. T'es incompétent en plus d'être irrespectueux. Sur la vie de ma mère, si tu veux, respecte pas Zidane en tant qu'entraîneur, mais respecte-le en tant que français. Respecte-le en tant que légende française. Manquer de respect à Zidane, c'est manquer de respect à toute la France. C'est très grave ce que tu fais, c'est grave. Oh, oh lui, ne pas le vouloir, c'est une chose, mais cracher sur lui, c'est autre chose. On voit qu'il y a quelque chose de personnel derrière et ça allait trop loin. C'est surréaliste qu'on a vu là. De Noël Le Grec, les gars, ils m'ont plus inquiété que énervé. On est le seul pays du monde à cracher sur Zinedine Zidane. N'importe quel pays au monde serait en train de le vénérer, serait les plus heureux. Didier Deschamps, ça fait 300 ans qu'il est là. Oh, il a, son mandat est plus long que la reine d'Angleterre. C'est un truc de malade. Oh, au bout d'un moment, on est le seul pays à cracher sur la légende Zidane, à cracher sur un ballon d'or Karim Benzema, et il nous explique même pas pourquoi. Même pas d'argument, il n'y a rien derrière. C'est une dictature. Oh, Zidane, c'est une carrière incroyable en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur, il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves en tant qu'entraîneur. Donc, n'importe quel président d'un pays se poserait la question de mettre Zidane entraîneur. C'est logique. Mais c'est logique. Au bout d'un moment, faut être fou pour pas le faire. Au Brésil, ils ont vénéré Pelé jusqu'à sa mort. En Argentine, ils ont vénéré Maradona jusqu'à sa mort. Et en France, on crache sur Zidane comme ça, les gars. Eh, c'est, en tout cas, c'est pas la vie du peuple, hein. C'est la vie d'un seul homme. Je vous le dis.